Ce sont les cinq raisons que j'ai examinées des Écritures et à partir des expériences, raisons pour lesquelles les gens perdent. Permettez que je vous fasse une minute de récapitulatif. Le manque de discernement, la négligence, l'ignorance des lois du royaume, abuse and misuse, les abus et les usages impropres, and trials, et les épreuves et les tests. But I have good news for you. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Que au nom de Jésus, peu importe par quel moyen, by the power that raised Christ from the dead, par la puissance qui a ressuscité Christ des morts, there must be restoration in your life. Il doit y avoir de la restauration dans votre vie. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Now, please pay attention. Alors prêtez attention s'il vous plaît. Let me give you by the Spirit about four keys. Permettez que je vous donne par l'Esprit environ quatre clés. That are responsible for restoration. Qui sont responsables de la restauration. Are you ready? Êtes-vous prêt? Number one, the first key that is truly responsible. Numéro 1, la première clé qui est vraiment responsable for restoration. Pour la restauration. If you want God to restore moments, time, si vous voulez que Dieu restaure les moments et les temps, or whatever it is in your life, ou peu importe ce que c'est dans votre vie, the first key is self-examination. La première clé, c'est l'examen de soi. The power of self-examination. La puissance de l'examen de soi. Corinthiens 13, verset 5. It says to examine ourselves. Il dit de nous examiner nous-mêmes. Whether we be in the faith. Pour savoir si nous avons été dans la foi. Prove your own selves. Éprouvez-vous vous-même. Examine yourself. Examinez-vous vous-même. Est-ce que je peux vous dire ceci? Lorsque les gens sont abattus, they do not take the personal responsibility, ils ne prennent pas la responsabilité personnelle of saying, listen, why am I here? De dire, écoutez, pourquoi je suis ici? This is not self-condemnation. Ça, ce n'est pas la condamnation de soi. You have to learn to sit with yourself. Vous devez apprendre à s'asseoir avec vous-même. Why are things not working for this family? Pourquoi les choses ne marchent pas pour cette famille? Why is it that I have been in Lagos for 10 years? Pourquoi, bien que je sois à Lagos depuis 10 ans, I've only celebrated the testimony of others. Et je n'ai fait que célébrer les témoignages des autres. There is something about the responsibility of thoughtfulness. Il y a quelque chose à propos de la responsabilité de la prévenance. That most believers do not submit themselves to. Que la plupart des croyants ne se sont pas soumis. You have to sit down. Vous devez vous asseoir. And ask yourself honest questions. Et vous poser des questions honnêtes. The Bible says, examine yourselves. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Whether you be in the faith. Pour savoir si vous êtes dans la foi. The power of self-examination. La puissance de l'examen de soi. Number two, what is the second key that makes for restoration? Numéro 2, quelle est la deuxième clé qui est faite pour la restauration? Brokenness. C'est la brisure. Psalm 51 and verse 17, brokenness. Psaume 51, verset 17, la brisure. Do you know what brokenness is? Savez-vous ce que c'est la brisure? Brokenness is a state of recognition. C'est un état de reconnaissance. Recognizing your inadequacy, your... Reconnaître vos insuffisances. Inability to help yourself unassisted. L'incapacité à vous aimer, vous, à vous aider vous-même. Que Dieu, si Dieu ne vient pas dans cette équation de ma vie pour m'aider, my best will still
Mon meilleur va toujours rester limité. La brisure. Many people want God to restore them, restore their dignity and their honor. Plusieurs personnes veulent que Dieu les restaure, que Dieu restaure leur dignité et leur honneur. But that sense of self-righteousness and pride is still alive there. Mais ce sens d'auto-justice et d'orgueil est toujours vivant là-bas. In the story of the prodigal son, dans l'histoire du fils prodige, listen, écoutez, the father did not come to meet the rebellious, arrogant son. Le père n'est pas venu pour rencontrer le fils qui est rebelle et arrogant. The father came to meet a son that was already repentant and was ready to be restored. Le père est venu pour rencontrer le fils qui était déjà sur la voie de repentance et voulait se faire restaurer. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Brokenness is very powerful. La brisure est très puissante. You walked out on your CEO and you lost your job. Tu analyses ton CEO et tu perds ton travail. You are secretly hoping you will get back to the job. Et tu espères secrètement que tu seras de retour au boulot. But you do not have the humility to be broken to admit that I was wrong. Mais tu n'as pas l'humilité d'être brisé pour admettre que tu as tort. And somehow you are hoping it does not work that way. Et d'une manière ou d'une autre, tu espères. Cela ne marche pas de la sorte. Brokenness is not Brokenness is not something you assume. La brisure, ce n'est pas quelque chose que vous supposez. It is a state that everyone around you will know this person is broken. C'est un état pour que tout le monde qui est autour de toi va savoir que cette personne est brisée. There are many people today, if they were broken enough, they would have relationships restored to. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, s'ils avaient été assez brisés, ils devaient avoir les relations restaurées. Together with the privileges. Ensemble avec les privilèges. If that boy sat down there, the prodigal son, si ce garçon-là était resté là-bas, c'est-à-dire le fils prodige, j'assume que s'il restait encore un an dans cette bêtise, il allait mourir là-bas. Because he was already close to death. Parce qu'il était déjà proche de la mort. He said, how many hired servants? Et il se dit, combien de mercenaires does my father have, and I'm here feeding with the swine? À mon père et moi, je suis ici en train de me nourrir des pourceaux. I will arise. And I will go to my father. Je me lèverai et j'irai vers mon père. And when I meet him, I will say, father. Et lorsque je vais le rencontrer, je dirai, I have sinned. I will say, father, it was just my mind. My mind was playing some emotional games. Et lorsque je le verrai, je dirai, père, j'ai péché. Je ne dirai pas que père, c'était ma pensée. C'était ma pensée qui jouait certains jeux émotionnels. What it is. I have sinned against you. I have sinned against heaven. Je dirai ce que c'était. J'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. The character of brokenness is that it admits without shame. Le caractère de la brisure, c'est que cela est admis sans la honte. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Pastor, I am sorry I offended you. This is not the way it should be. Pasteur, je suis désolé, j'étais offensé. Ce n'était pas la façon dont cela devait être. It was carelessness. I take full responsibility. C'était la négligence. Je prends toutes mes responsabilités. That's brokenness. Ça, c'est ça la brisure. Brokenness. Number three. Est-ce vrai la brisure? Numéro 3. What's the third key that makes for restoration? Quelle est la troisième clé qui est faite pour la restauration? La connaissance, la connaissance, la connaissance. Knowledge. La connaissance. Proverbs 11, I believe verse 9. Proverbe 11, je crois verset 9. Says, through knowledge shall the just be delivered. Il dit à travers la connaissance, le juste sera libéré. Isaiah chapter 60 says, arise, shine. Your light is come and the glory of the Lord is risen upon you. Esaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé,
car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. You arise and you shine. Tu te lèves et tu brilles. When your light comes. Lorsque ta lumière viendra. Knowledge. Knowledge of what? La connaissance. La connaissance de quoi? Not knowledge of your situation or knowledge of what you want. Pas la connaissance de votre situation ou la connaissance de ce que vous voulez. Knowledge of what it takes. Listen. La connaissance de ce qu'il faut écouter. Most people know what they want. La plupart des gens connaissent ce qu'ils veulent. They even know what they don't want. Même ils savent ce qu'ils ne veulent pas. But they do not have the knowledge of what it takes. Mais ils n'ont pas la connaissance de ce qu'il faut. Is that true? Est-ce vrai? So, this is what I want. Alors, c'est ce que je veux. I desire this so desperately. Je désire ceci d'une manière désespérée. And this is it here. The Bible says that this should be given to me. Et le voici, la Bible dit que ceci me sera donné. But you must know, have the requisite level of spiritual illumination. Alors, tu dois avoir le niveau requis d'illumination spirituelle. That takes you from prophecy to experience. Qui te prend à partir des prophéties vers l'expérience. Otherwise, you will keep wishing things that will never manifest in your life. Autrement, vous allez continuer à souhaiter les choses qui ne vont jamais se manifester dans votre vie. It takes more than knowing what God has said. Il faut plus que connaître ce que Dieu a dit. It takes more than knowing what God has told you to have it. Il faut connaître plus que ce que Dieu vous a dit pour avoir. Is that true? Est-ce vrai? You must find out the participatory condition he has connected to that promise. Vous devez trouver la condition participatoire que Dieu a connectée à cela. You're acting in keeping with the condition. Votre façon d'agir en gardant avec la condition. Is your demonstration of faith. C'est votre démonstration de la foi. That faith is not just believing alone. Que la foi n'est pas seulement de croire. Believing is part of the process of faith. Croire fait partie du processus de la foi. Faith is the name given to the action of obedience you take. La foi, c'est le nom donné à l'action d'obéissance que vous prenez. As a sign that you believe God. Comme un signe que vous croyez en Dieu. My time is up, number four. Mon temps s'en va, numéro 4. The last and then we'll pray. Be sensitive now, I want to pray for you. Le dernier, nous allons prier. Soyez sensible, je vais prier pour vous. The fourth key that activates restoration. La quatrième clé qui active la restauration. Is the prophetic. C'est le prophétique. Someone's life is changing. La vie de quelqu'un est en train de changer. Isaiah 42 and verse 22. Ésaïe 42 verset 22. Isaiah 42 and verse 22. Ésaïe 42 verset 22. But this is a people robbed and spoiled. They are all of them snared in holes. And they are hid in prison houses. They are for a prey and none deliver it. Read with me. Ésaïe 42, verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, prolongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise. Lisez avec moi. They are for a spoil and none say it. Restore. Dépouillé et personne ne dit restitue. Restoration does not just happen. Someone must say it. La restauration ne peut jamais arriver. Quelqu'un doit le dire. None say it. Restore. Et personne ne dit restore, restitue. None say it. Restore. Personne n'a dit restaurer. Dans 2 Rois chapitre 6, lorsque vous lisez les 7 premiers versets très rapidement. 2 Kings chapter 6. This was a very interesting rendition. The Bible says
2 Rois chapitre 6. Ça, c'était un indice très intéressant. La Bible dit, the sons of the prophets said unto Elisha, et les fils des prophètes dirent à Élisée, behold, now the place where we meet with you is too small. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Alors c'était un désir d'avancer. Verset suivant. Let us go, we pray thee unto Jordan. Allons jusqu'au Jourdain. And take thee every man a beam and let us make a place. Et nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Where we may dwell. And he answered and said, go ye. Verse 3. Élisée répondit et dit, allez, allez. Verset 3. And one said, be content, I pray thee, go with thy servants. And he answered and he said, I will go. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Verse 4. So he went with them. Le verset 4, il dit, il partit donc avec eux. And they came to Jordan and cut down wood. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. But as one was felling a beam, et comme l'un d'eux abattait une poutre, the axe head fell into the water. Le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria et dit, ah mon Seigneur, il t'était emprunté. Wise man, homme sage. Many people will try to jump inside the river and die there. Plusieurs personnes vont essayer de se jeter dans la rivière et y mourir. No, there are certain results. Non, il y a certains résultats. That you cannot just get it. Que vous ne pouvez pas juste obtenir. By yourself. Par vous-même. Dieu a positionné des gens dans le corps que, en addition et en connexion à votre foi, cet homme a crié, ah mon Seigneur, je suis en problème, il est emprunté. Le prophète a dit, oui, bien fait. Et il a répondu. Et le fer s'est enfoncé. Le fer s'est enfoncé. La finance qui vous a quitté est revenue. Alors voyez-vous, tout ce qui vous a quitté est sur la terre. Alors, sous certaines conditions, cela peut revenir à vous. This is true. Cela est vrai. Please listen to me. S'il vous plaît, écoutez-moi. When the prophetic is administered outside the boundary of scripture, lorsque le prophétique est administré au-delà des limites des Écritures, it just becomes a display of ignorance. Cela devient juste un passage, une démonstration de l'ignorance. With no potency and power. Avec aucune puissance. But when the prophetic is administered within the jurisdiction of scripture, mais lorsque le prophétique est administré dans la juridiction des Écritures, it works wonders. Listen to cela me. Fait des prodiges, écoutez-moi. My beloved people, mes bien-aimés, there is a dimension of growth and restoration and excellence. Il y a une dimension de la croissance, de la restauration, de l'excellence. Que seul le prophétique peut amener dans votre vie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Thanks for watching till the end. Don't forget to subscribe and activate the bell of notification for more videos. Thank you.